Genèse au chapitre 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici, Rachel, sa fille, vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit certainement, « Tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Oui, donne-nous de faire tout ce que nous faisons, Seigneur, par la motivation de l'amour, l'obéissance à toi. Amen. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu, il fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, au lieu de Rachel, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Seigneur, garde-nous de mentir et de tromper. Au nom de Jésus, Amen. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années, 14 ans en tout. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Seigneur, tu es tout puissant, on voit que c'est toi qui rends fertile, qui rends stérile, que ton nom soit béni. Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fois. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi.
Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Seigneur, donne-nous, Seigneur, toujours de te louer en toutes circonstances et de ne pas chercher l'approbation des hommes, mais la tienne. Au nom de Jésus, Amen.